Salam alaikum, Azurfullahun. Bon, soir. Les deux chambres du Parlement algérien ont été convoquées à partir d'aujourd'hui pour une session extraordinaire en vue d'adopter le projet de nouvelle constitution. Grosso modo, ça se passe comme prévu. D'abord, une tambouille interne dans la plus grande opacité, puisqu'on ne sait même pas qui sont les gens qui ont été chargés de bidouiller l'avant-projet. Puis, la présentation du document par un Ouyahia plus paternaliste que jamais, qui pontifiait et distribuait des bons points de patriotisme à gauche, à droite, dans le même temps qu'il justifiait à corps et à cri l'hallucinante discrimination citoyenne contre nos compatriotes de la diaspora. Il faut rappeler, en effet, que si ce projet est voté en l'état, ce qui ne fait aucun doute, les Algériens de l'étranger, voire même ceux de nos compatriotes qui sont contraints d'y séjourner, pour des études, pour des soins, un temps soit peu long, pour quelque raison que ce soit, deviendront des sous-citoyens d'un pays dont la Constitution les prive sans appel du droit de pouvoir prétendre à certaines hautes fonctions de l'État et bien sûr de pouvoir solliciter la volonté de leur peuple pour les porter à la plus haute charge de la nation. Mais signé avec ça, cette nouvelle mouture de la Constitution fourmille de contradictions, de violations en tout genre, contre le peu de droits constitutionnels qui étaient un temps soit peu consacrés. En plus du dispositif chafouin, qui met en place des mécanismes de bradage annoncés de ce que les Algériens pensaient être inaliénable, pour de nombreux observateurs, cette énième violation de la Constitution sera une sorte d'archétype, j'allais dire, historique, dans le recul démocratique, dans l'abnégation de la souveraineté du peuple, pour tout ce qui le concerne. Pourtant, avant même qu'elle ne soit adoptée par un Parlement aux ordres, qui n'est là que pour ce genre de mission, c'est un truisme que de le dire, je n'exagère pas, le président du Parlement a déjà déclaré, bien avant le vote, bien avant la convocation de la session extraordinaire, il a déclaré avec un rare aplomb que cette constitution, écoutez bien, je le cite, représente une véritable renaissance politique. Je le cite, hein, c'est lui qui parle. Renaissance rénovatrice du président de la République. En guise de pléonasme, on repassera, hein, là on est servi. Renaissance rénovatrice. Et alors que cette loi scélérate, pour l'appeler comme elle doit s'appeler, est sur le point de passer en force, d'être adoptée par un Parlement marron, alors que les nouvelles dispositions qui viennent la réaménager ne peuvent être validées que par voie référendaire, normalement. Parce que ces dispositions sont tellement graves qu'elles ne peuvent être réaménagées que par le peuple, par voie référendaire, et c'est la Constitution qui a cours en ce moment qui le prévoit. Eh bien, le même président du même Parlement déclare sans sourciller que ce texte, et je le cite encore, je mets les guillemets, consacre la souveraineté du peuple. Il dit que ce texte, ce projet, consacre la souveraineté du peuple. Allez comprendre quelque chose. Et il en rajoute, je le cite encore, c'est tellement amusant, si ce n'était dramatique. C'est une chance, c'est lui qui parle, hein, c'est une chance qui s'offre aux élus du peuple, comme si c'était vrai, comme si les élus, ces élus-là étaient élus par le peuple. Mais enfin, c'est une chance qui s'offre aux élus du peuple pour hisser le socle de la démocratie, de la justice et du développement dans l'Algérie actuelle et celle du futur. Hisser le socle de la démocratie.
Nous sommes dans un système politique où on hisse les socles et où on rénove la Renaissance. Et encore, je recite le même monsieur, guillemets, « Ce projet a pour objectif la consécration d'une démocratie participative réunissant toutes les bonnes volontés de la nation et répondant aux aspirations de notre peuple pour la liberté, la justice et le développement dans un monde en mutation effrénée dont les pays font face à des crises aussi bien internes qu'externes. » Ouf, fermez les guillemets. On comprend mieux maintenant ce que signifie ce dicton populaire bien de chez nous, qui rappelle qu'il n'y a pas d'os dans la langue. C'est pour ça que les députés algériens peuvent dire de telles énormités sans se casser la langue. Et ainsi, malgré cette autre violence faite au peu de démocratie de façade qui nous a été concédée, ce projet de constitution va son petit bout de chemin roulant des mécaniques sur la voie royale de la compromission et de la démission collective dans un climat généralisé de sidération. Que dis-je ? De coma profond. Il y a bien eu quelques vagues velléités de protestation, quelques échauffourées au Parlement, quelques tribunes de presse, quelques petites phrases, et même, cela vient de tomber, le boycott de l'initiative par le FFS et Nahla. Le tout sera de savoir si ces gestes politiques auront la portée à laquelle ils aspirent. Nous allons en parler. Aujourd'hui, liberté. La décision du reste de l'opposition attendue vendredi, vote de la Constitution, le FFS et Ennahda boycott, par Ammar Rafa. Huffington Post. Amendement de la Constitution, le FFS boycott la session extraordinaire du Parlement. El Watan. Vote sur le projet de révision de la Constitution. L'opposition parlementaire opte pour le boycott. Par Majid Mahdi. Aujourd'hui avec nous, Jamal Behloul, secrétaire national au FFS, Nourdin Behbouh, président de l'UFDS, Sofiane Gilali, président de Gilles Jadid. Et nous ouvrirons le standard en deuxième partie, en espérant que Jamal Behloul restera avec nous pour répondre éventuellement aux questions de nos téléspectateurs. Jamal Behloul, merci d'être avec nous. Jamal Behloul. Ami Jamal, pour l'invitation et pour cette tribune que nous offre Al-Magharibia pour débattre et pour éclairer nos concitoyens sur la démarche du pouvoir qui vise à réviser, à imposer une révision constitutionnelle. Merci Jamal Behloul. Dites-nous, est-ce que vous resterez avec nous la deuxième partie pour répondre aux questions de nos téléspectateurs ? Éventuellement, c'est la ligne, si techniquement c'est possible. Oui, c'est possible et nous voudrions que ce soit vous qui restiez. Jamal Behloul, vous venez donc d'annoncer que vous boycottez, que vous ne participerez pas en tant que, comme on vous qualifie, plus vieux parti de l'opposition à cette farce, pour l'appeler comme elle doit s'appeler. Effectivement, le FFS, après un large débat, après la réunion des instances du parti, à savoir la direction nationale du parti, le FFS a pris la décision donc de boycotter cette session extraordinaire. Il a boycotté d'abord la clôture de la session ordinaire pour aujourd'hui, parce que pour nous, au FFS, on juge que cette session est une session à moitié noir et à moitié blanc. Noir, c'est la manière dont a été aussi imposée la LFC 2016, la loi a été votée, la loi de finances 2016, donc c'est noir pour les Algériens,
La deuxième moitié de la session était blanche parce que tout a été gelé dans l'attente donc de faire passer cette constitution. Pour cela, on a décidé, la direction nationale du FFS a pris la décision de boycotter d'abord la clôture de la session pour aujourd'hui et boycotter aussi la session extraordinaire à laquelle le président a convoqué le Parlement pour une session extraordinaire dans le but donc de voter pour cette constitution. L'UFFS, évidemment, un parti d'opposition, un parti qui cherche à construire avec tous les Algériens un large consensus pour construire un État national, un État de droit, un État démocratique et social. Considère que l'élaboration ou l'amendement d'une constitution, normalement, doit représenter un moment privilégié dans la vie d'une nation, car il coïncide avec, normalement, l'achèvement d'un processus constituant consensuel. L'élaboration aussi d'une constitution pour l'UFFS constitue une étape décisive dans la vie d'une nation et d'un peuple parce qu'il vise à garantir la cohésion et la communion nationale. Mais malheureusement, le régime en place fait rater à l'Algérie cette occasion. Le régime en place maintient sa politique donc de coup de force et de violence constitutionnelle. Le régime en place continue à squatter la souveraineté du peuple algérien et empêche les Algériens, et dénie aux Algériens leur droit donc d'élaborer une constitution qui émane du peuple, parce que le pouvoir constituant appartient au peuple, la souveraineté appartient au peuple, mais malheureusement le régime fait rater une autre occasion aux Algériens et fait aussi de ce rendez-vous une occasion pour aggraver la situation du pays. Mais Jamel Bahloul, je vais vous dire mon sentiment. Moi, si j'étais le régime, va parler entre nous comme ça très franchement, moi si j'étais le régime, ça m'arrangerait beaucoup. Parce qu'on en a marre, les gens sont fatigués de ces votes massifs, tout le monde participe au vote, 90% de oui, bras à main levé, les gens, ça passe plus, genre. Donc moi, si j'étais un régime intelligent, je me dis, le mieux serait que j'obtienne 60-70% de oui, que deux ou trois partis se retirent, que d'autres fassent la pagaille dans les travées, qu'ils se disputent, comme ça, je vais donner l'image d'un parlement démocratique où des partis se retirent, où des partis boycottent, où des partis votent contre. Vous ne pensez pas que, hormis cet effet de manche, votre geste ne va pas vraiment compter, ne va pas avoir une vraie portée politique ? Non, notre geste, d'abord, c'est une démarcation. On ne cautionne pas la démarche. L'OFFS, le problème, ce n'est pas la constitution article, mais la démarche, d'abord, la méthodologie qui a été suivie par le pouvoir pour élaborer cette constitution. Pour l'OFFS, la constitution ne doit pas être une constitution d'un clan, ne doit pas être une constitution d'un pouvoir, ne doit pas être une constitution d'une État, mais une constitution d'une nation, d'un État, de l'avenir qui va construire l'avenir de l'Algérie et l'avenir des générations futures. Pour cela, notre geste, c'est pas du populisme à travers nous, on s'inscrit pas, le FFS a bien précisé que le FFS ne s'inscrit pas dans l'agenda du pouvoir. On est en dehors de l'agenda du pouvoir. On doit tout faire avec tous les Algériens, avec toute la classe politique, pour construire une alternative. Construire une alternative autour d'une table, autour d'un dialogue, autour d'un consensus, autour d'un minimum, pour permettre à l'Algérie de passer de 50 années de règne de règne par la violence, à un État démocratique, à une deuxième république. L'UFFS n'a jamais cessé de répéter ça. Malheureusement, beaucoup de partis politiques, beaucoup de personnalités ne ratent pas l'occasion d'accuser l'UFFS ou de tirer sur l'UFFS, mais l'UFFS a une ligne politique, une ligne de conduite qui a été arrêtée. L'existence déjà de l'UFFS. L'UFFS a été créé suite au coup de force constitutionnel depuis 1963. Donc l'objectif du FFS
les objectifs donc, de la création du FFS restent d'actualité. Là, le combat du FFS est né d'actualité. Depuis 1963 à ce jour, le FFS n'a jamais cessé de parler de nécessité de rendre aux Algériens leur souveraineté, leur droit à leur autodétermination, leur droit à écrire leur constitution à travers leurs représentants, soit à travers dans une assemblée élue librement dans une assemblée constituante, mais à travers un large consensus qui doit se dégager dans la société et dans la classe politique. Restez avec nous, Jamal Bahloul, restez avec nous. Nordine Behbouh, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je salue au passage vos invités et tous les nos amis de Al-Maghribia. Merci. Alors, avant de venir à cette question de boycott, Jamal Bahloul vient de nous dire que le FFS se bat pour que les Algériens puissent un jour écrire leur constitution. Or, dans ce projet, de grands constitutionnalistes, des juristes spécialisés en droit constitutionnel, nous ont déclaré, ils ont assumé, ils l'ont fait par voie de presse en se mettant bien à jour, ils nous ont dit que l'actuelle constitution, celle qui n'a pas encore été amendée, prévoit très clairement, de façon claire, sans aucune équivoque ni ambiguïté, que ces dispositions qui sont soumises dans le projet d'amendement de révision de la Constitution ne peuvent pas être approuvées par le Parlement. C'est impossible, c'est anticonstitutionnel. Ça ne peut l'être que par voie référendaire. Il y a donc, en l'occurrence, une violation flagrante de la Constitution. Et donc, normalement, cette initiative est nulle et non avenue. Effectivement, si Jamel, vous avez très très bien dans votre introduction développé cet amalgame et ces contradictions qui existent à l'intérieur de cette constitution. Oui, c'est dans les discours qu'ils ont prononcés récemment, dernièrement, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, l'APN, ce sont des mots, ils ont aligné des mots, M-O-T-S, qui seront à l'avenir des véritables mots M-A-U-X pour l'Algérie. On est en train de parler d'une loi fondamentale. Une loi fondamentale, en principe, c'est le constituant qui doit se prononcer sur la loi fondamentale. Et le constituant, c'est le peuple. Le peuple, ou à travers ses élus légitimes, nous ne sommes ni dans le premier cas, ni dans le second cas. C'est une constitution, un projet de constitution qui a été élaboré, établi dans les arcanes, au niveau des arcanes du pouvoir. Qui, à mon sens, je ne suis pas juriste, mais en tout cas même les juristes et les constitutionnalistes considèrent que même ce qui est de son contenu est en contradiction totale avec ce qui doit se passer, ce qui doit être écrit au niveau des constitutions. Lorsque vous remarquez, vous constatez que vous avez des thèmes ou bien des articles qui doivent être, qui sont de l'ordre de la loi organique, qui ont été mis dans la Constitution. Donc c'est une Constitution de circonstance. Elle répond à la circonstance actuelle et c'est un projet qui entre dans une démarche de vouloir à tout prix, au lieu de s'occuper des véritables problèmes des Algériens qui sont beaucoup plus complexes que cette Constitution, on vient de nous pendre, je m'excuse de l'expression, ce projet de Constitution qui, au passage, je le dis, si vous allez faire un petit sondage d'opinion, dont le peuple n'est même pas, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Vous allez à Alger, au niveau de chaque ville, et vous posez la question sur cette constitution. Les Algériens ignorent totalement et ne parlent même pas de ça. Donc, on vit une situation quand même qui est de circonstance. Le pouvoir en place est en train de tout faire pour pouvoir orienter les Algériens vers des faux débats et qui n'ont aucune importance pour la population. Maintenant, vous êtes en train de parler et vous le dites à juste titre que est-ce que le boycott aura des effets? Ce pouvoir-là, vous boycottez, vous ne boycottez pas, il est dans sa logique et dans sa lignée et il considère. Mais Nordine Behbouh, sur un aspect de fond, les constitutionnalistes nous disent que ces dispositions qui ont été modifiées ne peuvent pas l'être par voie parlementaire.
elles ne peuvent l'être que par voie référendaire. Et donc, sur le plan du droit, est-ce qu'il sera possible de dire non, tout ce que vous êtes en train de faire est nul et non avenu, de toute façon? Mais tout à fait vrai, ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Non seulement, en principe, je vous le dis, en principe, une constitution, une loi fondamentale, c'est la constitution, c'est le constituant, c'est le peuple. Ou à travers ses véritables élus. Ça, c'est le premier élément. Le second élément qui me paraît fondamental et qui est très important, c'est qu'on a introduit des dispositions qui sont exclusivement du ressort du peuple. Mais est-ce que ce pouvoir respecte ce peuple? C'est la grande question qu'il faut poser. Moi, je suis persuadé que ce pouvoir est en train, il n'a aucune considération pour ce peuple. Et il fait ce que bon lui semble dans sa logique, dans sa démarche à lui, et pour lui, peu importe la position du peuple, et peu importe pour lui l'opinion publique d'une manière générale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est fondamental, et est-ce que cette constitution a un objectif, qui est un objectif clair, pour, comme ils prétendent le dire, c'est une constitution qui va permettre de construire une véritable démocratie dans ce pays, c'est une constitution qui permettra d'une manière très claire le partage du pouvoir, c'est une constitution qui va ouvrir le champ médiatique, le champ politique, ainsi de suite, mais c'est archi faux, ce n'est pas vrai. Moi, je suis persuadé que les seules choses qui ont été modifiés, c'est une vente concomitante en parlant de la loi de l'officialisation de la langue amazigh, et chaque fois c'est ce pouvoir nous a, qui est d'ailleurs un combat de longue date de la part d'une opinion publique claire, nette et précise, et qui est une revendication légitime depuis de longue date. Alors il fait la vente concomitante comme il l'avait fait pour lors du précédent amendement pour pouvoir lever le verrou du second mandat en vendant également autre chose, et il continue à faire de la même manière pour pouvoir asseoir sa stratégie qui consiste à faire pérenniser le pouvoir et à... Vous êtes en train de nous dire qu'ils utilisent des méthodes pour acheter notre connivence. Qui est inscrit dans ce combat-là. Vous êtes en train de nous dire, qu'ils sont en train d'utiliser des méthodes pour acheter, du moins, notre silence, sinon notre connivence, notre... Ça veut dire, on vous donne Tamazir et on passe d'autres choses à côté, on vous donne ceci et on passe quatrième mandat ou deuxième mandat. Tout à fait vrai. D'accord. C'est ça, c'est la démarche du pouvoir. Et aujourd'hui, vous savez, c'est la démarche du pouvoir. Lorsque vous entendez les discours politiques qui sont développés de part et d'autre. Moi, je pose une question. Ils ont très souvent parlé d'un consensus. Est-ce que le consensus a existé au niveau, d'abord, du pouvoir? Moi, je pense qu'il n'y a pas de consensus à l'intérieur des partis politiques soutenant le pouvoir. La preuve, c'est que vous êtes en train de suivre, comme tout le monde, je pense, ces guerres déclarées et en sourdine entre le FLN et le RND. Vous avez des partis politiques qui soutiennent avec réserve. D'abord, quand on leur demande d'avoir un consensus à l'intérieur de ce pouvoir, il n'en existe pas. Donc, vous savez, je le dis et je le répète, c'est une fuite en avant, et c'est une fuite en avant qui est très très bien programmée et qui s'inscrit dans une logique de l'après Bouteflika. Et moi, je suis persuadé que avec cette constitution, l'Algérie n'ira pas du tout loin. Cette constitution, au contraire, elle est en train de vouloir encore compliquer la situation. Et pour être très clair, est-ce qu'elle représente une priorité? Dans la phase actuelle, la Constitution n'est nullement la priorité parce que nous avons beaucoup d'autres problèmes qui sont plus importants, plus graves. Restez avec nous, Nordine Bahbo, je reviens à vous dans un moment. Sofiane Gilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonsoir à vous, bonsoir à ces Bahbouh et à ces Baloul, mes meilleurs sentiments pour eux tous. Merci. Alors, Sofiane Gilali, votre point de vue sur ce retrait d'Al-Nahda déjà, du FFS, et de ce qui se passe d'une manière générale dans cette question de nouvelle constitution, de révision constitutionnelle. Oui, je pense que l'attitude du FFS et d'Al-Nahda est très juste, parce que la question qui se posait, ils pouvaient évidemment voter non, mais le fait de voter même non signifiait au moins la légitimité du processus de changement constitutionnel. Or, comme vous l'aviez affirmé si bien,
la démarche est totalement illégitime. Il y a plus de 100 articles qui sont touchés. Il y a de nouveau encore atteinte aux équilibres du pouvoir. Mais tout cela, le pouvoir le fait passer sous forme d'ordonnance. Je vous rappelle que la loi sur l'amendement constitutionnel passera sans débat, tout comme une simple ordonnance faite par le président de la République. Donc c'est un amendement, c'est un changement de la première loi du pays, sans qu'elle ne soit même pas discutée par les propres députés de la majorité, dont la majorité de ces députés étant eux-mêmes totalement illégitimes. Monsieur Ouyahia vient juste de nous le dire il y a quelques jours, que les sénateurs achètent entre 70 à 100 millions de dinars le siège de sénateur, et il trouve ça tout à fait normal. Bien sûr, il a accusé les sénateurs du FLN, mais le FLN peut très bien lui retourner la même accusation. Ils sont tous en train d'acheter les sièges, autant au Sénat qu'à l'APN. Donc sur le plan de la forme, sur le plan du processus, tout est absolument illégitime, avec un pouvoir illégitime, deux chambres dont une bonne partie est totalement illégitime, et une atteinte à la Constitution. Maintenant sur le fond, il y a bien sûr des dispositions anticonstitutionnelles, essentiellement l'exclusion d'une partie de la population algérienne, mais il y a aussi d'autres dispositions anticonstitutionnelles. Le fait qu'il laisse l'ensemble du pouvoir judiciaire soumis totalement à l'exécutif et donner des pouvoirs qui vont du législatif à l'exécutif, au judiciaire, à la défense, tout cela entre les mains d'un seul homme, malheureusement un homme qui n'en est plus en état de diriger. Tout le monde sait que M. Bouteflika ne dirige absolument plus rien. Nous avions vu les quelques rares images et de loin lorsqu'il a reçu le maire de Bordeaux, où M. Bouteflika semblait complètement noyé, et d'ailleurs les gens qui étaient là étaient un peu plutôt gênés à savoir qu'est-ce qu'il se disait, j'imagine des choses complètement incohérentes. Alors la question qui se pose, pourquoi y a-t-il eu ce changement de constitution? Quel est l'objectif? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce dont on avait essentiellement peur, c'était la création d'un poste de vice-président. On aurait eu un homme désigné à ce poste-là pour, en fait, succéder à M. Bouteflika. Cela n'a pas été fait. Par contre, il y a eu un désaveu frontal à ce qui avait été fait en 2008, donc à la première violation caractérisée de la Constitution en 2008, où M. Bouteflika s'est octroyé un mandat à vie qu'il est en train de mener. Donc la question, pourquoi ont-ils fait ça touchant encore une fois à la Constitution, en violant les règles, en s'attirant autant de réprobation. Alors, puisque vous posez la question, Sylvain Gilali, puisque vous posez la question, on aimerait bien que vous nous y répondiez, si vous pouvez. Alors, bien sûr, il y avait soi-disant les promesses de M. Bouteflika qu'il voulait tenir, coûte que coûte. Donc, il a fait semblant. Deuxièmement, je pense que cette constitution, ils espéraient pouvoir créer une dissension à l'intérieur de l'opposition. Or, ils ont abouti juste au contraire. Je pense que le FFF qui a eu le mérite de démontrer la mauvaise volonté du pouvoir en proposant un consensus, et tout le monde, tous les Algériens ont compris que le pouvoir ne voulait ni de consensus ni de discussion. Et je pense que maintenant l'opposition va s'élargir par rapport à cet acte-là. Troisièmement, je pense que d'une manière ou d'une autre, le pouvoir prépare la succession. Je fais remarquer que l'article 88 a été touché, alors que l'article 88 prévoyait 60 jours s'il y avait un décès ou une démission du président, il a été rallongé à 90 jours. Or, 60 jours ne suffisaient pas pour une élection, pour convoquer le corps électoral, pour mettre en route une élection présidentielle. En le rallongeant à 90 jours, ils envoient le message que M. Bouteflika est là jusqu'à la mort, et à ce moment-là, on organisera des élections à partir de 1988 avec 3 mois
qui resteront à ce moment-là sous l'autorité du président du CERF. Et peut-être, peut-être Sofiane Gilali, qu'ils vont inaugurer une nouvelle forme de pouvoir, peut-être qu'ils vont le présenter pour un cinquième mandat post-mortem, même s'il aura trépassé entre-temps, pourquoi pas. Et c'est possible. Moi, on avait proposé qu'on change l'article 2 de la Constitution, au lieu de mettre que l'islam est une religion d'État, il faut revenir au paganisme, et puis les Algériens vont... faire la prière devant le tableau de M. Ouattara, je crois que c'est très simple. Il pourra être ad vitam aeternam le président de l'Algérie jusqu'en 3599, de l'an après Bouteflika, justement après Jésus-Christ. Restez avec nous, Sofiane Gilali, je reviens. Restez avec nous, je reviens à Jamal Behloul. Jamal Behloul, vous êtes avec nous? Jamal Behloul? Jamal Behloul, Jamal Behloul, il faut descendre un peu le son de votre télé. Non, je ne suis pas devant la télé. Ah, d'accord. Très bien. Alors, je vais vous poser quelques questions et commentaires des internautes qui sont en train d'écrire abondamment sur le Facebook, qui nous suivent et qui s'expriment. Alors, quelques questions et commentaires. Al-Jazair Hariro, la question est claire, pourquoi il ne se retire pas du Parlement pour discréditer le Parlement et gagner plus la confiance du peuple? Mohamed Ziri, votre boycott ne mène à rien, messieurs, et si vous êtes vraiment de l'opposition, alors vous devrez démissionner ce Parlement de la honte, et merci. On ne boycotte pas après avoir participé au bradage du pays pendant les 15 dernières années. Abdelaziz Jufel, ils doivent voter. Alors, la question précédente était de Mahmoud Ait Youssef. Abdelaziz Jufel, ils doivent voter contre et non pas boycotter le vote, ce qui donnera plus de chances aux FLN RNDistes d'avoir la majorité. Je vous laisse répondre si vous le souhaitez. Bon, merci Jamal. Je dois rappeler que le FFS n'a jamais cautionné ce système depuis l'indépendance à nos jours. Le FFS n'a jamais été ou fait partie du système. Le FFS n'a jamais soutenu un clan du système. Le FFS a tout le temps, s'est tout le temps démarqué du bradage, soit du bradage de la souveraineté du peuple, de la confiscation de la souveraineté du peuple et du bradage des richesses de ce peuple. Le FFS a tout le temps été aux côtés du peuple et le FFS a tout le temps revendiqué un État démocratique, un État de droit, un État de liberté. Le FFS a été tout le temps le porte-parole du peuple algérien, des opprimés, des épris de justice, des épris de liberté. Le FFS, depuis sa création, a assumé ses responsabilités. Le FFS n'a jamais... le FFS a tout le temps proposé, contribué à proposer des solutions pour faire sortir le pays du statu quo, de la crise, de la violence imposée par le pouvoir, de ce pouvoir illégitime. Le FFS a tout le temps tendu sa main à tous les Algériens, soit classe politique, soit personnalité, pour construire ensemble, construire cette maison qui est l'Algérie, pour construire ensemble cet État et pour construire une république démocratique. Alors, pour ce qui est de notre présence au Parlement, le FFS n'a pas été tout le temps au Parlement. Le FFS, justement, a évalué sa présence au Parlement, son boycott du Parlement. Quand nous avons participé à cette élection législative en 2012, nous avons annoncé que c'est une participation tactique qui vise à créer une dynamique populaire et être à l'écoute du citoyen. Nos parlementaires sont à l'écoute des citoyens, sont aux côtés des citoyens. Nos parlementaires ne sont jamais impliqués dans les affaires ni de corruption, ni de détournement, ni de privilèges. Ils sont quotidiennement sur le terrain, ils sont quotidiennement à l'écoute, ils sont quotidiennement aux côtés des syndicats, des associations, des mouvements sociaux, des jeunes. Donc, notre participation a un objectif et l'objectif, il est encore d'actualité
pour cela, notre présence au Parlement, c'est une présence pour servir les causes justes, pour servir l'Algérie et servir à créer cette dynamique. Pour le boycott, l'UFFS boycotte parce qu'il ne cautionne pas la démarche du pouvoir. Parce que l'UFFS a tout le temps revendiqué un processus constituant consensuel. La Constitution ne doit pas être une constitution d'un clan. La Constitution ne doit pas être une constitution d'un régime. Ça doit être une constitution, un pacte politique qui réunira une commune, qui réunira tous les Algériens pour construire l'avenir. C'est pour cela que nous avons pris cette décision de boycotter, de rejeter cette démarche du pouvoir, à savoir imposer pour une énième fois une constitution. Nous l'avons qualifiée de violence constitutionnelle. Nous avons qualifié cette démarche du pouvoir de violence constitutionnelle, d'un coup de force constitutionnel. Donc, c'est pour Jamel Bahloul, en fait, est-ce que vous allez pouvoir changer quelque chose? Est-ce que cette constitution ne va pas être adoptée? Est-ce que ce régime ne va pas persévérer? Je vous rappelle qu'un Hamroche, par exemple, disait tout le temps « ce régime ne peut être changé que de l'intérieur ». C'était son credo. Or, nous avons appris avec le temps qu'un régime ne peut être changé de l'intérieur que vers le pire. Le MSP, Hamas, disait « il faut pratiquer l'entrisme, c'est entrer dans le régime, occuper les postes clés pour pouvoir doucement le changer ». Or, nous avons vu que c'est le régime qui a changé le MSP et pas l'inverse. Encore que le MSP, dès le départ, il était un peu… Mais bon, donc, et vous-même, en boycottant, pourquoi vous ne nous dites pas que vous n'allez rien changer malgré tout? Non, Jamel, soyons sérieux. On essaye. Tous les Algériens savent que boycotter ou ne pas boycotter, voter ou ne pas voter, cette constitution passera. Jamel, je te disais tout à l'heure, c'est une violence constitutionnelle, c'est un coup de force constitutionnel exercé par le pouvoir, pas contre l'EVVS, mais contre le peuple algérien, soyons sérieux. Cette constitution, l'EVVS boycotte, elle passera, ne boycotte pas, elle passera, les Algériens sortiront dans la rue, c'est un coup de force constitutionnel que le régime a imposé aux Algériens depuis 62 à ce jour. Soyons sérieux, que les gens qui ont cautionné ce régime, qui ont tendu la main à ce régime à travers beaucoup d'étapes, qu'ils l'ont sauvé plusieurs fois, soyons sérieux, l'UFFS est un parti sérieux, un parti responsable, mais en boycottant, on ne cautionne pas la démarche. Nous n'avons jamais cautionné ce régime, nous n'avons jamais cautionné la démarche du régime, et cette fois aussi, l'UFFS rappelle qu'il se démarque de cette démarche. Je t'ai dit tout à l'heure que l'UFFS s'inscrit en dehors de l'agenda du régime, parce que le régime ne s'intéresse qu'à sa pérennité. L'UFFS ne s'intéresse pas ni au privilège, ni au positionnement politique. Mais l'UFFS veut construire une alternative avec tous les Algériens. L'UFFS est conscient que lui seul ne peut pas construire une alternative. Mais on doit créer cette dynamique dans la société. On doit remobiliser les Algériens. On doit réintéresser les Algériens à faire de la politique. Les Algériens doivent s'impliquer. Les Algériens ne doivent pas démissionner de la vie politique et de la chose politique. Les Algériens doivent être conscients. C'est ça l'action du FFS. Le FFS, depuis sa création, vise à mobiliser la société pacifiquement pour une alternative démocratique, pour un changement démocratique. Restez avec nous, Jamel Bahloul. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous allons donner le mot de la fin à Nourdin Behbouh et Souyane Jilali. Nourdin Behbouh, pour conclure, vous pensez que... Écoutez, je vais vous lire le commentaire que vient de me faire parvenir quelqu'un qui est destiné au FFS, mais je vous le dis à vous, comme ça vous me direz votre avis, avec une certaine distanciation, bien sûr. Afif Ben Froul, il dit, important, question au FFS. Dire que le FFS est en dehors de l'agenda du pouvoir n'est vrai que si le FFS et ses députés démissionnent de l'APN et du Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui n'êtes pas au FFS? Écoutez, ça c'est un long débat qui consiste à dire, est-ce que le fait de faire de la politique, a-t-on besoin ou non d'une tribune pour faire passer son message politique? Ça, c'est également le premier élément. Moi, je comprends la position du FFS.
lorsqu'il vous dit, écoutez, je ne veux pas être, je ne veux pas boycotter, je ne veux pas sortir du Parlement pour la simple raison qu'on a besoin d'une tribune pour pouvoir faire passer son message politique. Moi, j'ouvre une parenthèse que moi aussi, j'ai 4 députés, les 4 députés boycottent aussi, et j'ai une députée qui a mené un combat extraordinaire sur l'article 51, elle n'a pas réussi, elle a repris le départ, puisque c'est une ancienne députée de l'immigration. Elle a regagné, elle est partie pour ne pas assister à cette mascarade. Mais en tout cas, le fait de boycotter, c'est un acte éminemment politique qui a son importance. Il faut pas, on sait tous, comme l'avait dit ici Bahloul, que quelles que soient les conditions dans lesquelles ce projet va passer, il va passer. Même en trichant, en faisant tout, et on saura qu'à partir de lundi, l'Algérie aura une nouvelle constitution. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qu'il y aura de changé pour les Algériens? C'est la grande question. Est-ce que le peuple algérien est préoccupé par cette démarche? Est-ce qu'il y aura un changement pour le peuple algérien? Ça sera un coup politique joué par le pouvoir, dans sa logique et dans son agenda qui est bien tracé et qui est, à mon avis, un agenda qui, aujourd'hui, prépare l'après-Bouteflika. Donc, dans tous les cas de figure, reprocher à l'opposition de quitter ou demander à l'opposition de quitter le Parlement, ça peut se discuter, mais en tout cas, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas la bonne solution, surtout qu'on sait que, malgré qu'on soit à l'intérieur du Parlement, y compris le RFS, y compris tous les partis politiques, ils sont boycottés de facto par ce pouvoir, parce que les médias, tous les médias, y compris quelques médias qu'on considère comme privés, ils sont à la solde du pouvoir. Merci Nordine Bahbou, je suis obligé de vous interrompre parce que nous devons laisser un peu de temps pour nos téléspectateurs. Sofiane Gilali, en peu de mots, à votre avis, ça va se passer comment? Ce boycott aura-t-il un véritable effet, comme le demande le titre de cette émission, sur le reste des opérations? En politique, vous savez, il peut y avoir des effets du show ou de la communication, mais on n'est pas dans cet état d'esprit. L'opposition a pris ses responsabilités. Elle boycotte, je l'ai dit tout à l'heure, justement, parce qu'elle ne cautionne pas le processus par la voie légale. Si c'était un processus normal, elle aurait pu voter non si elle n'était pas contente du contenu. Mais là, il y a un coup de force qui est opéré. C'est un coup d'État de toute façon permanent depuis au moins le 17 avril, pour ne pas dire depuis 2008 en réalité. Donc l'essentiel, c'est que l'opposition est en train de se positionner. Elle se prépare à assumer à l'avenir des responsabilités importantes vis-à-vis de la population. Ça a une dimension symbolique. Une opposition, ce n'est pas immédiatement quelque chose qui va bouleverser la situation. Il faut voir d'où l'opposition est venue, de très loin, mais elle est en train d'avancer. Je salue donc la position des partis qui ont boycotté, ceux qui luttent à l'intérieur ou à l'extérieur. L'important est de faire prendre conscience à la population le danger que représente le régime actuel. Merci Sofiane Gilali, en espérant vous revoir dans nos prochaines émissions. Nous gardons donc Jamel Bahloul avec nous. Nous allons ouvrir le standard maintenant pour vous permettre de vous exprimer. Nous ne prendrons pas beaucoup d'appels, malheureusement. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais lire quelques commentaires et questions qui me parviennent sur ma page. Farhat Mghlaoui, je constate, hélas, que toujours par mauvais calcul, l'opposition officielle se trompe de champ de bataille politique pour faire plier le pouvoir, à savoir là où se trouve le peuple, la rue. Jamel Lalilèche, c'est très courageux. Au lieu de se retirer de toutes les assemblées et laisser la paire FLN-RND répondre devant le peuple de leurs méfaits, ils acceptent de partager la responsabilité et seront jugés en même temps que le pouvoir qui les a corrompus. Ce n'est pas facile de se séparer du confort que procure la proximité du pouvoir. Eh oui, etc. Ce sont des commentaires que je lis. Les gens que je cite signent de leur vrai nom. Alors, Abdelaziz de Médéa. Abdelaziz de Médéa. Bourj-Bouhariz. Abdelaziz de Bourj-Bouhariz, Fadal. Allô, mes salutations, monsieur Béchenouf. Mes salutations, c'est Abdelaziz.
تفضل. صباح خويا. لاباس يبارك فيك الحمد لله يا عايش. Je vous salue quand vous avez discuté avec un ami. Vous avez parlé du docteur Ahmed Ben Mohamed. Ah oui, 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 oui. Oui. Un homme pour lequel j'ai la plus grande admiration. Et je l'ai avisé, donc vous avez parlé de lui. Très bien. Et vous transmettez-lui toutes nos salutations. J'ai essayé de décortiquer la Constitution plus l'avant-hier question. Oui. Moi, avec un... Ah, nous l'avons quitté. Nous avons Jamal Dehairi de Paris. Jamal Dehairi. Nous l'avons perdu. Jamal Dehairi. Nous allons essayer de faire un peu vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour pouvoir revenir vers Jamal Bahloul pour lui permettre donc de répondre et de clore cette émission. Donc Jamal Dehairi. Jkoumana. Hussein de Londres. Hussein de Londres. Oui, salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tfadal, c'est Hussein. Jamal, une petite question au représentant du FFS. Il vous écoute. Est-ce qu'ils rejettent la constitution ou bien est-ce qu'ils rejettent la cession? Et là, il y a bien une distinction entre les deux. Très bien, merci. Ok, salam. Jamal Dehairi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Jamal Dehairi. فقدنا ليديا دو سيتيف. ليديا دو سيتيف. Alors, nous allons revenir à Jamal Bahloul et nous essaierons après de reprendre deux ou trois appels rapidement. Et je demanderai à nos téléspectateurs de parler très vite parce qu'il y a beaucoup d'appels en ce moment qui se pressent dans le standard. Jamal Bahloul, vous avez entendu les commentaires que je viens de lire qui sont parvenus sur ma page Facebook et la question que vient de vous poser Hussein. Allô ? Oui, je vous en prie, Jamal Bahloul. Oui, j'ai vous ai dit que normalement, en ces moments difficiles pour l'Algérie, pour l'avenir de l'Algérie, qui vit une crise multidimensionnelle, crise politique, crise économique, crise sociale et même crise morale que vit notre pays, on doit poser les vrais débats, on doit être sérieux dans les débats parce que ce n'est pas la présence d'un parlementaire au Parlement ou la non-présence, la démission d'un parlementaire qui va changer les choses. Le FFS, durant toute l'expérience, depuis 62 à ce jour, le FFS n'a participé qu'à deux législatures, 97-2002 et 2012, c'est la deuxième législature. Donc au FFS, nous avons participé, nous avons boycotté, mais au FFS, je dis, quand on a participé tactiquement pour avoir cette tribune, pour permettre au FFS d'accompagner les Algériens, d'être aux côtés des combats, des luttes des Algériens au quotidien à travers ces élus, ces parlementaires. Donc il ne faut pas poser les faux débats et les fausses questions, parce que durant les élections passées en 2012, je pense que la totalité des partis politiques ont présenté des listes, ont présenté des candidats. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui qu'il y a des partis qui n'ont pas de parlementaires, ou là il y a ceux qui ne sont pas représentés, ils attaquent les autres pour exiger leur démission. Si c'est la démission des parlementaires du FFS qui constituera une solution, immédiatement on prendra la décision. Si c'est la démission des parlementaires du FFS, de ce Parlement qui va faire chuter ce régime, immédiatement le FFS assumera ses responsabilités. Si c'est la démission des élus du FFS, de ce Parlement qui va apporter une alternative, qui va apporter une dynamique, immédiatement le FFS assumera sa position. Soyons sérieux. Donc le FFS, j'ai dit que le FFS considère que cette constitution est imposé, que cette constitution est une démarche unilatérale du pouvoir qui porte du risque, des risques politiques et économiques. Et aujourd'hui, cette constitution ne sert que l'intérêt du pouvoir, il ne sert pas l'intérêt du peuple algérien.
et représente, comme je l'ai dit, comme l'a dit le FFS, représente une menace pour la stabilité du pays et sa cohésion. Mais Jamel Belloul, je vous poser... appelle à tous les Algériens de s'impliquer dans la politique, de s'impliquer pacifiquement, de s'organiser pour permettre une alternative pacifique et pour permettre, j'interpelle aussi toute la classe politique, le FFS a tendu sa main à toute la classe politique pour un consensus national, pour écrire un nouveau pacte politique. Mais Jamel Belloul, je me permets de vous interrompre. Personnellement, je pense que quand vous dites non, il faut que nous soyons présents dans les assemblées élues locales, au niveau de l'APC, de l'APUI, à la limite, on peut comprendre, puisque vous gérez les affaires des citoyens de façon directe. Mais en l'occurrence, quand il s'agit de l'APN, en plus de la caution que vous donnez au régime, cette caution inespérée venant du FFS, qu'est-ce que vous pouvez changer dans une assemblée où vous êtes minoritaire ? Je dois mettre le point. Oui. Tu es en train de parler avec le FFS, pas avec quelqu'un d'autre. Le FFS n'a jamais cautionné. Et ne cautionne pas. Non, par votre présence. Par votre présence, Jamel Belloul. Par votre présence au Parlement, vous cautionnez ce régime sans pouvoir rien changer. Puisque de toutes les façons, vous êtes ultra minoritaire. Ça veut dire que vous êtes là, vous apportez une caution morale, politique. On est un parti politique. Oui ? On est un parti politique, on est un parti politique responsable, on est un parti politique avec autonome. Donc la décision d'être au Parlement ou de ne pas être si le parti qui prend les décisions. Le FFS a participé à boycotter. À un moment donné, on a appelé le FFS à être boycott. On nous insultait sur ça, on nous attaquait sur ça. Donc sur ça, nous n'avons aucune leçon à recevoir de personne. Le FFS est un parti autonome, responsable. Sérieux, le FFS veut participer à sauver l'Algérie, à conserver l'Algérie, à humaniser l'Algérie et à permettre à l'Algérie un avenir meilleur. Et si votre base vous demande, si votre base militante pour les générations futures, c'est ça la démarche du FFS, c'est ça le combat du FFS. Et si votre base militante, Jamel Belloul, de lancer des faux débats et des procès d'intention. Si votre base militante demain vous demande de démissionner. Est-ce que vous démissionnerez ? Notre OFFS, il y a un débat démocratique au FFS, soit au niveau de la base militante et au niveau des instances du FFS. J'ai dit si la démission des élus du FFS constituera une alternative, immédiatement nous prendrons cette décision. Mais on n'est pas là. Le FFS est un parti démocratique, un parti de débat, un parti de libre expression. Donc c'est au sein des institutions, des instances du parti, il y a un libre débat, soit au niveau des sections, au niveau des fédérations, au niveau du Conseil national, au niveau d'autres instances du parti, de la direction. Il y a un libre débat, il y a une autonomie pour chaque militant donc d'exprimer son point de vue. Donc là, on est un parti démocratique, pas uniquement dans le discours ou dans les slogans, mais on pratique même la démocratie au niveau interne du FFS. Merci Jamel Belloul. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous allons encore passer deux appels, deux seulement. Avec nous, Jamel Dhaïri de Paris. Jamel, oui, je vous en prie. Oui, bonsoir Monsieur Jamel. Bonsoir Jamel. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités. Merci, bonsoir. Merci de me permettre de m'exprimer sur votre chaîne. Vous avez deux minutes Jamel, parce que le temps presse, hein. Essayez de faire vite. D'accord. Alors, je lance un appel direct au nom de la CCPCDA. C'est un collectif contre le projet de constitution discriminatoire. Avant tout, je tiens à préciser que le CCPDA n'a aucun penchant ni parti politique. On est un groupe d'amis qui en a créé ce collectif, bien sûr, fait d'une élite d'hommes et de femmes très respectables. Alors, au rassemblement de ce samedi 6 février devant l'ambassade d'Algérie à Paris, devant tous les consulats d'Algérie dans le monde, je n'en pas les pays peur d'oublier des frères et des sœurs, des citoyens. Ça veut dire que vous lancez un appel pour des rassemblements face à l'ambassade d'Algérie à Paris, mais aussi devant les ambassades des consulats algériens dans le monde entier pour protester contre l'article 51, si j'ai bien compris, et 73 qui discriminent
les Algériens de la diaspora, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors, les citoyens de la diaspora algérienne dans ce monde sont une composante de la nation algérienne. Ce gouvernement, ce système, cette matrice qui a violé la Constitution plusieurs fois, et encore là, ce mois de janvier, nous ont pondu des articles taillés à leur mesure. L'article 51-73 qui font barrage à notre élite, sachant qu'elle est la seule à pourvoir, à emporter avec son savoir et la maîtrise acquise durant toutes ces années passées à l'étranger. Je cite les noms visés par ces articles. C'est flagrant, immédiat, c'est bien simple, c'est Ali Benouari, Rachid Neguev et Sami Ousdir. Chacun sait. Et à quelle heure, quel jour au juste doit se tenir le rassemblement? Ben écoutez, je vois que le temps est très court, c'est samedi à 15h, devant l'ambassade de Paris. Ce samedi-là, à 15h, devant l'ambassade à Paris, donnez l'adresse et la bouche de métro pour nos compatriotes qui voudront vous rejoindre. À l'adresse, je ne l'ai pas ici, elle est sur le net. Très bien, ambassade d'Algérie voilà. À Paris, samedi à 15h. Merci Jamel Dehaïri. Un dernier mot peut-être? Le temps est très court, j'en ai long à dire. Oui. Mais bon. Alors, merci beaucoup, Jamel. Est-ce qu'il y a un dernier appel avant de vous quitter? Habib Menferansa, ce sera le dernier appel. Oui, salam. Je vous en prie, Habib, tfaddal. Bonsoir. Bonsoir. Bon, écoutez, moi, je vous admire, monsieur Benjambo. Merci. Vous faites vraiment une belle émission. Merci beaucoup. Je vous souhaite de continuer ainsi. Et voilà, moi, ce que j'ai dit, juste quelques phrases, je ne vais pas aller trop. Ce que je veux dire, voilà, en lisant la devise de l'Algérie, République algérienne démocratique et populaire. Est-ce que cette devise elle est appliquée pour tous les citoyens algériens, sans distinction? C'est ça que je voudrais vraiment savoir. Est-ce que, d'abord, on est en train de disputer en telle partie, en telle constitution, tel article, est-ce qu'il y a un amour entre, est-ce qu'il y a un amour, un petit amour tout simple de petit animal entre nous, les Algériens? Est-ce qu'on s'aime entre nous? Très belle question sur laquelle voilà. Nous allons est-ce finir cette émission. Oui, est-ce qu'on s'aime entre nous, c'est ça. Merci beaucoup, vraie. Merci, j'espère vous revoir plus souvent dans notre émission. Marhaba Bik en tout cas, pour semer de telles bonnes paroles. Merci à nos invités, Jamel Behloul, secrétaire national du FFS, Nourdine Bahbouh, présidente de l'UFDS, Sofiane Gilali, présidente de Gil Jadid, et à tous nos téléspectateurs qui nous ont appelés ou qui ont tenté de nous joindre pour s'exprimer. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir prêté votre aimable attention. Salam alaikum, qawala khair, bisalama.